On considère la suite définie comme ceci. 1, 3, 2, moins 1, etc. Chaque terme est égal au terme précédent, moins le terme d'avant. Quelle est la somme des 2022 premiers termes de cette suite? Alors, on va calculer quelques termes. Donc, 3 moins 1, ça fait 2, juste. 2 moins 3, moins 1. La suite, moins 1, moins 2. D'accord, moins 3. Moins 3, moins, moins 1. Ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 moins moins 2, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 3, moins 1. Moins 1 moins 2, moins 3. Moins 3 plus 1, moins 2. Et qu'est-ce qu'on constate? Regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. Les termes se répètent. 1, 3, 2, moins 1, moins 3, moins 2. 1, 3, 2, moins 1, moins 3, moins 2, etc. Jusqu'à l'infini. Alors, quelle serait la somme des 2022 premiers termes de cette suite? On constate que la somme des premiers 6, regardez bien combien ça fait, égale 0. La suivante, c'est aussi 0. Alors, combien de périodes de 6 termes il y en a ici? Pour ça, on va diviser 2 mal 22, on va diviser par 6, voir si ça tombe juste. Eh bien, ça tombe juste, ça fait 337. Donc, 337 séries dont la somme c'est 0. C'est clair, la somme des 2022 premiers termes de cette suite est tout simplement 0. Voilà.